نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فتركها للمحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يذيق عنها إلا حالك. الصلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء الكبار وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأحباء في الله، أيها الإخوة في الإسلام، كبتم وطابت ممشاكم وتبوأت من الجنة منزلة وجمعني الله إياكم عند مستقر رحمته في جنات النعيم مع حبيبنا وقدوتنا محمد المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. جعلنا الله نحيا على سنته ونموت على ملته ونحشر في زمرته وتحت لوائه وننال شفاعته ونشرب من حوضه الشريف شربة لا ندمع بعدها أبدا. روي أن إمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: مدار الإسلام أو أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث أو في ثلاثة أحاديث. حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا أو امرأة يصيبها أو ينكهها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وحديث آخر أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وحديث نعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ولكل ملك حمى وحمى الله محارمه ألا إن في الجسد مضغة إن صلحت صلح الجسد وإن فسدت فسد الجسد ألا هي القلب. Cette parole de sagesse de la part de l'imam Ahmed ibn Hanbal, comme nous l'avons dit la semaine passée, que l'être humain, le croyant, le serviteur, averti, doit se maintenir sur le droit chemin. Comment il peut suivre une voie qu'il ne connaît pas? Donc la meilleure chose d'abord, c'est s'acquérir, c'est de se renseigner, de chercher la science, d'identifier c'est quoi la voie, la bonne voie, c'est quoi le chemin d'Allah. C'est important. Et la meilleure source, c'est le Coran et la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans cette parole de Ahmed ibn Hanbal, personne, tout le monde connaît ce qu'il y a Ahmed ibn Hanbal concernant la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a compilé combien de hadiths? C'est des centaines de milliers de hadiths. Il dit qu'il a regardé tout, il trouve trois hadiths qui constituent les fondements de cette religion. Je ne parle pas de cinq piliers, je parle de fondement. L'essence de cette religion réside, se trouve dans trois hadiths. Les trois hadiths, il les cite. Le premier hadith, c'est celui de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, qui dit que le messager d'Allah dit: les actes ne valent que par leur intention, et à chacun selon son intention. Celui dont l'immigration a pour fin Allah et son messager, son immigration sera comptée comme étant pour Allah et son messager. Mais celui dont l'immigration a pour fin un bien de ce bas monde ou une femme qu'il épouse, il sera compté pour cela. Donc c'est très important. Il dit,
Ce hadith est important car il nous parle de l'intention de l'être humain. Ça, c'est le premier hadith. Le deuxième hadith, c'est celui de Aïcha radiallahu anha qui dit: quiconque innove dans notre affaire, dans cette religion, ce qui n'en fait pas partie est complètement et purement rejeté. Troisième hadith, c'est celui de Nu'man ibn Bashir qui dit: ce qui est licite est évident. Ce qui est illicite est évident, est connu. Dieu nous a accordé la sagesse, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam al-tayyibat wa harrim alayhim al-khaba'ith. Le prophète n'a interdit que ce qui est impur, ce qui est mauvais pour nous. Il n'a rendu licite que ce qui est bon pour nous et agréable. Donc la personne qui est dotée d'un sens normal, raisonnable, sait pertinemment qu'est-ce qui est halal et qu'est-ce qui est haram. C'est évident, c'est connu. Tout le monde sait que le vol, tout le monde, raisonnablement, personne ne peut l'accepter. La fornication, c'est une trahison. Personne ne peut l'accepter. Le mensonge, personne ne peut l'accepter. L'entraide, tout le monde l'accepte. C'est très important. Donc, c'est connu ce qui est bien et ce qui est illicite aussi. Mais entre les deux, il y a des choses équivoques que peu de gens connaissent. Il y a des choses équivoques que peu de gens. Malheureusement, ceux donc qui ont des doutes dans leur cœur suivent ce qui est équivoque. Ashbuhad. Ils voient que leur question va toujours sans ça. Ou ils tournent autour. Est-ce que ceci est haram? Est-ce que ce n'est pas haram? J'ai demandé tel imam, il me dit que c'est haram, illicite. L'autre me dit que c'est licite. Il commence à dire non. Éloigne-toi. Quiconque s'éloigne de ce qui est équivoque préserve son honneur et sa religion. Les deux vont ensemble. Dès que tu préserves ta religion, tu préserveras certainement ton honneur. Mais quiconque tourne autour finira à tomber dans ce qui est illicite, ce qui est haram. C'est comme un enclos réservé pour un roi. Quand la personne essaie de taire ces troupeaux, ils risquent vraiment d'empiéter. Et les enclos réservés d'Allah sont ces interdits. Hududullah maharim, ce qu'il a interdit, voici les enclos réservés d'Allah qu'on doit complètement s'éloigner. Ces trois hadiths ont été rapportés par ces trois hadiths. C'est ce que l'imam Ahmad ibn Hanbal considère qu'il constitue. Ces trois constituent les fondements de l'islam. Il dit aussi dans d'autres versions que d'autres trois hadiths, il prend deux de ça, que innama al-a'mal binniyat, man ahdasa fi amrina hadha fa huwa rad, et il ajoute d'autres hadiths qui n'est pas al-halal bayn al-haram bayn, mais cette fois-ci, c'est hadith de Ibn Mas'ud radiallahu anhu qui dit inna Allah inna ahadakum la yujma'a khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yusilu Allah al-malak فينفق فيه الروح فيؤمر بكتب أربع كلمات بكتب أربع كلمات رزقه وعمله وأجله أشقي أو سعيد والله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بأمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بأمل أهل النار فيدخله والعياذ بالله وإن أحدكم ليعمل بأمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بأمل أهل الجنة فيدخلها. C'est hadith pour صلى الله عليه وسلم très important que Ahmad ibn Hanbal l'a ajouté à nous. Donc on a quatre hadiths ici qui constituent vraiment les fondements de l'islam. Quel est l'hadith qu'on a ajouté? Ce hadith a été rapporté par Ibn Mas'ud qui dit que le messager d'Allah dit, c'est très important, que le potentiel créateur de chacun de nous est rassemblé à un peu de liquide dans le ventre de sa mère pendant 40 jours. Pendant 40 jours, nous sommes une liquide, une goutte d'eau dans le ventre de nos mères. 40 jours, il reste ainsi. Et après, c'est une adhérence. Une adhérence pendant une période similaire. Et une machine pendant une période similaire. Ça fait 120 jours. 120 jours plus un jour, Allah mande un ange qui vient. La première chose qu'il fait, il inspire l'âme. Donc c'est pour cela que les savants religieux, il est interdit impérativement de faire l'avortement avant 120 jours, quoi que ce soit. Donc en tant que la personne qui avorte après 120 jours, c'est comme s'il a tué un enfant. Donc parce que c'est très important, parce qu'avant ça, l'âme n'est pas insufflée. Dans ce hadith-là, c'est après 120 jours que l'âme est insufflée. Après, on lui mandate d'écrire quatre éléments essentiels. Cela,
ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est de confirmer. Car tout a été compilé, écrit dans l'Awhil Mahfouz, 50 alf sana, abla ayakluq Allah samawat wal ard. Tout ce qui se fera dans notre destinée, tout à nous tous sur cette terre, a été écrit sur l'Awhil Mahfouz 50 000 années avant la création des cieux et de la terre. Je ne parle pas de la création de l'homme, des cieux et de la terre. Maintenant, l'ange vient pour confirmer ces quatre paroles. La première parole, c'est très important, c'est la subsistance. Car la première cause d'égarement des gens, c'est la subsistance. C'est en courant derrière ça que les gens vraiment sont corrompus. Donc, il doit savoir que ta subsistance est déjà mentionnée. Donc, ce n'est pas la peine vraiment de toucher et de mentir. Ce qui n'est pas pour toi, tu ne peux pas l'avoir. Ce qui est pour toi, tu finiras à l'avoir, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Donc, c'est la première chose. Amadou, son œuvre est aussi écrit. Tu vois quelque chose, quelqu'un a quelque chose, il est déjà écrit. C'est écrit. Wa ajalou. Combien de temps il vivra sur cette terre? Combien de temps? Quel âge? À quel âge il va mourir? Où il va mourir? Comment il va mourir? Où? Tout ça est écrit et compilé. Ça, c'est important. Et il sera heureux ou malheureux dans l'au-delà, qui nous rend heureux. Il nous accorde le paradis. Tout là, ces trois paroles, est déjà écrit. Le jour, 120, le jour plus 1, c'est déjà écrit. Et il dit, par celui qui détient mon nom, ou celui dont personne n'a, nul autre n'a le droit d'être adoré à part lui. L'un d'entre vous, accomplit les œuvres des gens du paradis. Quand tu le vois, accomplit les gens du paradis. Jusqu'à ce qu'il ne lui sépare du paradis qu'une coudée. Soit très proche. Cela veut dire que c'est la mort. Il parle de sa mort. Quand on dit que c'est quelqu'un qui souhaite te sépare du paradis, ça veut dire de ta mort. Car comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-jan, al-dunya, c'est du mu'min. C'est bas monde est une prison pour qui? Pour le croyant. Le croyant, quand il meurt, rentre au paradis. Mais comment il peut rentrer? Il faut d'abord qu'il meure. Donc, dès que la personne meurt, il rentre au paradis. Tout, c'est un affaire qui lui nous engage. Donc, il dit que c'est très important. Et ce moment-là est déjà écrit. Quand est-ce la personne? Et que la personne œuvre jusqu'à ce qu'il lui sépare de sa mort. Qu'une coudée. Mais il finit le livre, l'écriture le précède. Il finira par faire œuvrer les œuvres des gens de l'enfer et il rentre en enfer. Et lui nous engage. Et l'autre aussi, c'est le contraire. Pourquoi? Les savants religieux disent que souvent, Al-Khatimatu Sou, Tapoun Bissabibi Dassi, c'est une kamina, fi, Kalbin Insan, Al-Ab, la Ya'alam, la Yatali Ali Hannas. La Yatali Ali Hannas. Il dit souvent, la personne dont on fait allusion, qui œuvre des œuvres des gens du paradis et finit par accomplir les gens de l'enfer à la fin, c'est parce qu'il n'était pas sincère. Ce qui nous revient au premier hadith qui est très important. Parce que dans d'autres hadiths, il dit ce qui apparaît pour les gens. Car quand la personne est sincère, c'est Dieu lui-même qui le prendra en charge. Quelqu'un qui fait très bien, il ne regarde jamais, il le prend en charge. Donc voici ces quatre hadiths qui ont été dit. Et dans d'autres versions, il ajouta deux autres hadiths. Ça, c'est Abu Daoud. Abi Daoud, dans un hadith, il dit « Katabtu an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam 500 000 hadiths fantaqabtu minha ma tadammanu hadha al-kitab wa fihi 4,000 hadith wa 800 hadith wa 800 hadith wa yakfi lil mu'min minha 4 innama al-a'mal bin niyyat sirru al-halal bayyin لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. Voici, on a ajouté encore deux autres hadiths sur les six. Donc, on avait huit, maintenant c'est très important. Quatre, on a deux, maintenant ça fait six. C'est très important. Il dit qu'il a écrit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, 500 000 hadiths. Imaginez-vous. Une personne écrit 500 000 hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a trié parmi ces 500 donc, hadiths qui se trouvent dans son sunan. Et il se trouve combien? 4 800 hadiths. Parmi ces 4 800 hadiths, il y a 4 hadiths de soufis pour ta religion. 4 hadiths de soufis pour ta religion.
Il mentionne deux hadiths de ce que nous venons de citer. Innamal a'mal bin niyyat. Les actes ne valent que par les intentions. Al halal bayin. Ce qui est haram est connu. Ce qui est halal est connu. Et il ajoute le quatrième hadith. Il dit aucun d'entre vous n'est croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère, ce qu'il aime pour soi-même. C'est très important. Ça, et cela aussi revient à l'intention. À l'intention. Que tu as une bonne intention pour faire le zèbre, bien sûr, mais aussi pour ton prochain. Et que ne te mêle pas ce qui ne te regarde pas. Ne te mêle pas ce qui ne te regarde pas. Voici les quatre hadiths qui ajoutent aussi six. Et dans d'autres hadiths aussi, les savants religieux disent, il dit il y a cinq hadiths qui constituent vraiment la science toute entière. Ils ont pris les deux hadiths. C'est très important. Quels sont les deux hadiths? C'est Innamal Amal bin Niyyat. Les actes ne valent que par l'intention. Et aussi Al Halal Bayyin. Les licites et connus. Et illicites et connus, il ajouta trois. La darara ou la dirar. Le préjudice est interdit à l'islam. Préjudice est interdit à l'islam. Tu n'as pas à causer préjudice à ton ami ou à ton prochain. Tu n'as pas aussi à subir de préjudice. Et là, Amar Tukum. Ma la haïtuka anhu, fajtanibu. Ou ma Amar Tukum bini, fangtahu. Il dit que ce qui vraiment, je me dis de le faire, je dois le faire. C'est-à-dire, quand je vous interdis une chose, éloignez-vous. Donc les interdits, ça veut dire quoi? On s'éloigne complètement. Quand je vous ordonne de faire quelque chose, accomplissez selon votre possibilité. Donc les obligations, nous ne pouvons pas accomplir toutes les obligations. Elles sont très nombreuses. Je parle ici des obligations. Je parle des obligations essentielles qui est cinq prières, prier, non. Je parle vraiment des obligations générales. Même les cinq prières aussi, ce n'est pas tout le monde qui peut l'accomplir. Ce n'est pas tout le monde qui peut gêner. Ce n'est pas tout le monde qui peut aller au pèlerinage. C'est très important, sauf la prière, tout le monde doit le faire. À Zakat, ce n'est pas tout le monde qui le fait. Donc les obligations, vraiment, c'est obligatoire, mais il se peut que les personnes ne peuvent pas accomplir. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre possibilité. Mais les interdits, non. Il dit éloignez-vous des interdits. Éloignez-vous des. Malheureusement, beaucoup de gens, ils mettent l'accent sur les obligations, ils prient, mais les interdits, ils transgressent les lois d'Allah, c'est interdit. Donc c'est que pourquoi nous mentionnons. Et le troisième hadith, et bien, Ad-Dinu Nasiha. L'islam est un bon conseil. Donc, nous avons 10 hadiths ici que je veux dire vraiment qu'un croyant se voit l'obligation de les apprendre, de les appréhender, méditer là-dessus. S'il veut vraiment se maintenir, ce droit sur ma foule, comme les phrases de Wastafullah, et voilà. Wastafullah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam, ala Rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وإلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. النبي صلى الله عليه وسلم Dieu ne regarde pas vos formes physiques, non, vos images physiques, vos formes, c'est pas ça que Dieu regarde, ni vos argent. Qu'est-ce qu'il regarde vraiment? C'est votre cœur et vos œuvres. Vos œuvres, il dit les cœurs et les œuvres ensemble. C'est très important. C'est pour cela que le croyant doit tout faire d'assainir son intention. C'est une œuvre constante que la personne doit faire. L'un des savants, il dit, il dit, essaye vraiment d'apprendre. C'est quoi l'intention? C'est pas l'intention, car il est plus important que l'œuvre. Et l'un des savants religieux dit, la waditu ayakun hunaka fuqaha. يقعدون في الناس يعلمونهم مقاصد أعمالهم فما أتى على الناس لا كثير من الناس إلا من تبيع ذلك. C'est dit que j'aurais aimé vraiment qu'il y ait des savants religieux qui s'assoient dans les mosquées uniquement pour apprendre aux gens comment assainir leur intention. Beaucoup d'égarements qui se font chez les serviteurs, c'est à cause de l'intention, c'est la corruption des intentions. Et je dirais même dans les associations, dans les regroupements, dans une famille, dans la vie conjugale, dans tout. Tous les problèmes que tu vois, la source est quoi? C'est que le cœur, l'intention est corrompue. Si l'intention est très bonne, non, tout sera facile. Tout sera facile. Mais quand l'intention n'est pas bonne et n'est pas claire, c'est là où réside tout le problème. Tout le problème. Donc, il dit vraiment qu'il conseille que la personne prend soin de son intention. Et Imam Ahmad, dont nous avons parlé tout de suite, il dit souvent, « Ya Bunaya, تَعَلَّمُ النِّيَّةِ فَإِنَّكَ مَا تَذَالُ فِي خَيْرِ مَا نَوَيْتَ الْخَيْرِ لَا تَذَالُ فِي خَيْرِ أَوْ بِخَيْرِ مَا نَوَيْتَ الْخَيْرِ. Il dit, mon enfant, apprends la bonne intention. Apprends comment avoir la bonne intention.
tu seras toujours en bonne santé, en bien, dans l'aisance, dans le bonheur, aussi longtemps que tu es animé d'une bonne intention. Aussi longtemps. Donc c'est très important. Et on voit très bien dans ce que vous devez dire les travaux de la part de Rabbi Allah, on est mu'minin, et de Yubaye, on a ta tahta shajira, tahta shajira, et fa'ali ma mafi kouloubi. Fa'ali ma mafi kouloubi, fa'anzal ali moussakinata, wa athabahum fatham qariba. Fatham qariba. Dans ce verset coranique, tu verras comment l'intention, comment il est important, tellement qu'il est important. Il dit que Dieu le Très-Haut dit, Dieu a agréé les croyants quand il te prêtait, lorsqu'il te prêtait serment d'allégeance. Et il a su ce qu'il avait dans leur cœur. Quand il a su ce qu'il avait dans leur cœur, qu'est-ce qu'il les a donné? Il dit, fa, andala alayhim sakinata. Il a fait descendre sur eux la tranquillité, la culture, sa vie, le bonheur. Et il les récompensa, wa athabam, il les récompensa d'une victoire proche. Donc la victoire qu'ils ont eue sur le Hudaybiyya, qui est faite deux ans après, quelques années après, Fatou Makka, la conquête de la Mecque après le Hudaybiyya, que le traité, les gens croyaient que vraiment que ce n'était pas bon pour les musulmans, mais que Dieu les a donné à travers de ce traité une victoire éclatante et proche et éclatante, c'est quoi? Ali Mamafi Koulouni, quand tu l'as su ce qu'il y avait dans leur cœur. Ce qu'il y avait dans leur cœur. Quand Allah sait ce qui est dans ton cœur, il t'aidera. Donc c'est pour cela, quand la personne entreprend n'importe quelle œuvre, aligne-toi d'avoir de bonnes intentions. Que ce soit des affaires de ce bas monde ou des affaires de l'au-delà. Et c'est très important. C'est pour cela, dans ce hadith professeur, dans ce verset coranique que nous avons parlé, qui des hadiths, innamal amal bin niyyat, et à sa source dans ce verset coranique qui se trouve dans surat al-Mulk. ليبلوكم أيكم أحسن عمل خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver de savoir qui parmi vous est meilleur en œuvre. قال فضيل بن إياد معنى أخلصه وأسوأه قيل ما هو أسوأه وأخلصه قال لا العمل لا يقبل حتى يكون صوابا وخالصا فإذا كان صوابا غير خالص لا يقبل الله والخالص ما كان لوجه الله والصواب ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم qui nous ramène directement à ces deux hadiths. Il veut dire vraiment, on a parlé de 500 000 hadiths de Abi Daoud. Si nous n'avons pas ce temps là il y a 10 hadiths, on n'a pas ce temps là les 4 hadiths, on n'a pas ce temps là voici les deux hadiths qui réduit tout. On dit wa dinu kullu. La moitié, il n'a pas l'amal. Les actes ne valent que par leur intention et la balance des œuvres apparentes. Celui, quiconque innove dans nos affaires, ce qui n'en fait pas partie, la balance des choses apparentes et amal, la balance des choses internes. Les choses internes, la balance, comment on peut savoir, c'est bon, c'est un amal de niyad. Les choses apparentes, c'est très important, c'est Hadith Aïcha. Ce verset coranique, quand il est très haut, dit c'est lui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver, pour savoir qui parmi vous est meilleur en œuvre. Il dit, ça veut dire que les plus sincères, les œuvres les plus sincères et les plus conformes. Meilleur en œuvre, les œuvres les plus sincères et les plus conformes. Les plus sincères, c'est ce qui a été accompli pour Allah. Les plus conformes, c'est ce qui suit la tradition du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc chacun de nous vraiment doit, au minimum, ils ont apprendre ces deux hadiths, qui est hadith. عمر بن الخطاب رضي الله عنه الأعمال بالنيات وإنما لكل من معنوى حديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. That's very important. N'importe quel œuvre que tu accomplis, d'abord regarde, tu le fais pour quoi? Tu le fais pour qui? C'est très important. Demande-toi, est-ce qu'il est conforme à la tradition du Prophète sallallahu alayhi wa sallam? Très important. Si c'est l'une de ces deux conditions est manquante, non, ton œuvre est complètement rejetée. Donc, Alhamdulillah, Rabbana, taqabbal minna innaka anta as-sami' al-'alim. Wa tub 'alayna ya Rabbana, innaka at-tawwabur rahim. Allahumma indina fima hadayt, wa 'afina fima 'afayt, wa tawallana fiman tawallayt, wa barik lana fima 'atayt, wa sif 'anna as-su'a ma qadayt. Innaka taqdi wa la yaqda 'alayka, Allahumma la yudilla ma hadayt wa la yahdi ma hadayt. Bi al-khayr kulluhu ya Rabbana, innaka rahim. Wa la aqsimu lana min khashyatika ma tahulu bihi bayna al-bayt ma'asiyak wa min ta'atika ma tawallana bihi jannatak. Bil yaqin ma tuhibbu bihi 'alayna masa'ib ad-dunya wa ad-din wa asma'ina wa adwarina. وذريتنا أبناء أبناء بقيتنا وجه الوارث منا وجعل حارنا على من ذل وانصرنا على ما عريان اللهم إنا نعوذ بك من سوء المنقلب في الأهل والمال والنفس
اللهم إنا نعوذك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك يا رب ارحم الراحمين. اللهم أغسل نياتنا لك يا رب ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إن شاء الله دوك لا سيما في وجهي دي فواياج لافريك pour 3 semaines, je demande vraiment de prier pour moi. Et je prie pour vous aussi, quand vous vous bénissez, et Allah facilite les choses. Inch'Allah, après aussi, nous allons avoir l'architecte, Inch'Allah, qui nous montrera le projet de développement de le site nouvel. C'est un centre culturel. Un centre culturel, c'est un centre culturel, Inch'Allah. Donc, comme il a salat, il y a un peu.